Bonjour et bienvenue à la capsule TNI numéro 22, les Canva, le modèle SVA. Donc, voici un modèle tiré du travail de Sylvie Sécartier. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, c'est de mettre des liens dans un document notebook de façon à vous simplifier la tâche. Donc, ici, on a vraiment le modèle, là, ce que je sais, ce que je veux savoir, ce que j'ai appris, et chacune des lettres est identifiée par une lettre rouge. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que pour vous, vous n'avez qu'à cliquer sur l'une des lettres. Donc, le S ici, si je clique là-dessus, va m'amener sur la page de ce que je sais. Et là, je pourrais venir écrire à la main ce que les élèves savent. Et vous avez toujours dans le coin supérieur droit un petit menu. Donc, si je veux passer à la page suivante, là, on voit que je suis au S, ce que je sais. Si je voulais passer au V, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur le V ici. Je vais passer à la page V. Sinon, au A, ce que j'ai appris. Et en tout moment aussi, je peux revenir à mon truc de base, donc SVA, qui était la page le principal. Donc, vraiment, en passant d'une page à l'autre, vous pouvez toujours revenir, aller et venir dans votre document. C'est super simple à faire. C'est insérer des liens dans un document. On a fait une capsule précédemment là-dessus. Et puis, ça peut être une technique, dans le fond, que vous utilisez pour plein d'autres choses. Donc, bon travail!